devenu presque un collectif d'artistes, c'est-à-dire là, avec vous, ici sont des jeunes demoiselles, ils sont là, je me suis pas trompé, qui s'appelle Flying Rotten, qui s'appelle Dart Feelings, ok, c'est des prénoms bizarres, voilà, et Audrey Vernet, oui, ah ok, j'ai bien vu, parfait. Et en fait, elles sont là et elles m'aident parce qu'en fait, on a créé un collectif un peu graphique d'artistes. Donc, vous voyez des affiches, des choses comme ça, c'est eux qui le font. Et en même temps, il y a beaucoup d'artistes qui passent par la maison. Par exemple, il y a Clara Cianure, là, dans la salle. Que c'est quelqu'un, il y a beaucoup de ses voix que vous entendez comme ça dans les chansons parce que quand elle est là, en fait, elle m'aide pour faire des voix, des trucs. Parfois, elle donne même son avis, donc c'est génial. Parce que plusieurs avis, c'est important dans la vie. Les gens pensent que c'est que les compliments qu'il faut avancer, c'est pas vrai de tout. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on doit avoir, nous. D'accord ? C'est un entraînement personnel de l'âme. Tout le reste, que ce soit des critiques ou que ce soit des doutes des gens, etc., comme ça ne sert que à avancer. C'est-à-dire, il ne faut pas tout prendre, mais quand quelqu'un te dit « Ah, mais là, la batterie, c'est peut-être pas la juste batterie, tout ça, mais voilà. » C'est important dans la création d'avoir des avis différents des gens. Et c'est pour ça que c'est bien de fréquenter les gens, de faire la musique avec les autres. Donc voilà, voilà pourquoi je ne suis pas tout seul à Capella ce soir. Et même parce que si je venais à Capella tout seul, ici à Salle Noble sur scène avec le microphone comme ça, vous m'auriez dit des méchants mauvais. Parce que ça n'était pas chouette de tout. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Voilà. Les gens oublient que les musiciens, c'est super important. C'est fondamental dans ce métier. Et voilà. Donc, moi, je crois dans les musiciens. Je crois encore dans les musiciens, même si aujourd'hui, on a plein de trucs électroniques qui passent partout. Mais je crois que les musiciens, c'est important. Merci.